Yo, vous allez bien ? C'est Noël dans quelques jours, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'un joyeux Noël. Merci à tous encore pour cette superbe année. Et sur ce, moi je vous dis, bon visionnage. Ah, ils sont trois, ils sont trois. Ils sont quatre même ! Ils sont quatre, gros ! Attends, il fait quoi ? Je sais pas, il revient, attends. Attends, il s'arrête dans le bush, gros. C'est lui qui a vu, il arrive pas à son sac. Attends, il fait quoi ? Je sais pas. Non, faut qu'on loot ce camp, là. Il y a peut-être une arme pour Samuel ici. Il y a peut-être de la bouffe ici, parce que moi en vrai, la bouffe, j'en ai plus. Faut tuer les zombies pour la bouffe. Oh, j'entends un cerf. Ouais. Ouais, il est pas loin de moi. Si je peux le tuer au clutch, ça serait parfait. C'est peut-être beaucoup demandé. Non, t'inquiète, je fais ça. Au cut ? Non, je le fais au coup de poing. Ouais, ok. Ah oui, ok, d'accord. Nickel. Ça, c'est une tomate ici, il y a une belle tomate. Ça, je la garde pour Samuel. Je vais offrir une tomate parce que je sais qu'il en raffole, Samuel, les tomates. Oh, il y a deux weapon cleaning kits ici. Prends-en un pour toi. Moi j'en ai déjà un tout neuf en fait. Il y a un cerf avec deux biches, les gars. Putain, mais t'es déjà là toi, t'es quand même été vite hein, pour arriver à nous. Ouais, mais attends, il est déjà là. Mais oui, je viens de réaliser quand même. Je chôme pas, les gars, Oh, weapon cleaning kit. Je viens de réaliser que le mec est déjà là. C'est moi ou vous êtes arrêté là ? Bah oui. On t'attend. Tu crèves beaucoup de faim ou pas ? Bah oui, je clignote. C'est la merde hein. Est-ce que tu voudras un weapon cleaning kit, Samuel ? Si je peux le manger ou pas ? Oui, c'est délicieux. Ouais, bah nickel, je le prends, je graille. C'est du bois, c'est naturel. Viens dans l'hôpital. Faut me faire une perfusion là, faut me nourrir. On va te nourrir par les fesses comme Bear Grylls. Qui se font un tuyau dans le huc là avec de l'eau. Oui, ça tournait mal d'ailleurs. Tiens. Oh, super. Attends, je te donne autre chose, mais je te l'eau. T'as jamais une petite tomate à l'entrée ? Oui, c'est vrai, faut commencer toujours par l'entrée. Maintenant, une petite boîte de haricots. Bon, t'as vu, on a pas d'armes, des armes de ouf, mais on est bien stuff par contre. Alors, observons. Que voyons-nous déjà ? Pas grand chose. Ils ont l'air d'être là ou pas ? Non, ils ont pas l'air d'être là. Je vais manger avant de progresser vers ce château. Bah, regarde, attends. C'est ouvert ! C'est ouvert ! Oh non, ils sont fait raid, mec. Oh, damn. Bon, ils ont pas pu tout prendre. Arrête. Mais c'est pour ça qu'en fait il y avait des hummers éparpillés un peu partout. C'est quand même incroyable qu'on ait trouvé un hummer. Regarde tout le nombre de portes qu'ils avaient. Lolo. Non mais gros, c'est une dinguerie. Attends, bah faut un code. Tiens, on va ouvrir la tente. Peut-être qu'il y aura des trucs dedans. Là aussi, il y a un code. Bon, ça marche pas le tournevis. C'est la merde. Code log, non, je sais pas. Ah, je vois pas le code log. Bon, attends, on va regarder ailleurs. S'ils ont pas pu tout casser, c'est pas possible. Il y a forcément un truc qui est verrouillé encore. Ça marche pas leur tournevis là. Les gars, y'a full truc là où je suis. Y'a une. Oh non, putain, je crois que c'était une méga arme, c'est une VR-80 posée par terre. Bah, du coup, y'a une arme posée par terre, c'est malicieux. J'arrive. Oh, ils ont un chalumeau. Oui. Oh, c'est maraudeur. Mais ça sert à quoi ? C'est pour ouvrir le coffre. Attends, il faut une bouteille de gaz avec. Mec, ça sert à... Ouais, mais ça sert à quoi le chalumeau ? C'est un nouvel item de Days de base. Hein. Mais c'est pour faire quoi ? C'est quoi le chalumeau ? C'est un nouvel item de Days. C'est un item de Days, oui. Et tu peux réparer des trucs en métal avec. Mais vraiment, il y a une autre rôle. Il y a une M70 Tundra. Attends, parce que j'ai vu un mannequin, il m'a fait flipper en fait, j'ai bégayé. Il y a une Tundra, faut que Samuel la ramasse. Faudra lui lâcher des balles. Oh, elle est neuf. T'as des balles pour lui ? Qui en est ? Ouais, tiens Samuel, t'es où ? Je suis à côté de toi. Ils ont en effet pas pu tout prendre, les gars. Y'a une AK-74 là. Elle est neuve. Y'a une AK-74. Y'a une Scar. Y'a une AK-74, ça avait un chargeur hier, Etienne. Y'a une Scar. Y'a une USG et tout. Ok, c'est mon Samuel, il aura des armes. Y'a un ATOG et tout, y'a des armes, des viseurs. PSG-1 magazine. Là, l'animal, un Savannah et tout. Y'a un Savannah, j'ai deux chargeurs de Savannah si tu veux. Ouais, je prends le Savannah. Ah bah, ils ont pas pu tout prendre, on avait raison. Non, ils ont pas pu tout prendre. Putain, par contre, ils se sont fait raid, c'était gradé ouf. AK-74. Ah ouais.
Aïe 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 aïe, les bagnoles. Mettez rien par terre hein, de ce qu'il y a dans les tentes ou quoi pour pas que. Oh, il y a un autre savana encore là. Je crois que je vais prendre un savana. Hein. Y'a un blaze ici. Oh là là, l'animal. Derrière les armes. Scar 16 encore, AK-101, M16 et tout. Il y a deux Scar 16 là. Oh là là. Mais ils vont revenir les mecs, ils vont revenir. Ça a été raid il y a pas longtemps ça. Ouais, ouais, c'est tout frais ça. Un blaze. Oi, mon gars. Chargeur de M200 gros. Les gars, venez voir juste sur le toit après. Juste les screamers que je me prends, vous allez comprendre, c'est... Alors, regarde juste au fond de la tente, là, quand tu arrives. Oh, gros. J'ai vu ça, mec, j'ai flippé ma race. Ouais. Oh là là. Attends, les gars, il y a un piège jaloux. Je vais le poser dedans. Comme ça, si les mecs ils viennent pour loot trop vite, ils vont se péter les jambes et tout. Donc sortez et je poserai le piège jaloux. Moi, je veux un petit piège jaloux. Comme ça, si des mecs arrivent en courant trop vite, bam. Oh non. Ça va les calmer. Ok, bah ça nous a mis bien, ça va, parfait. Ah, j'aime bien les piller des bases comme ça qui viennent les trade. Ça, c'est le Days que j'aime. T'as vu les stuff qu'ils ont? Il leur restait des scars et tout, mec. Ils étaient gras en vrai, hein. Il y avait plein de scars. J'en avais trouvé une, ensuite j'en ai vu une deuxième. Faut qu'on boive une petite gorgée. Sammy! Sammy! Oh, ça arrache. Par contre, tes godasses, elles sont mortes, hein. Arrête. Bah, regarde. Non, regardez pas, bon bien. Regardez. Mais n'importe quoi. Du coup, on rush les tirs ou quoi là? Oui, Sammy, je te suis. Sammy, on rush les tirs. Arrête de juger les. Et arrêtez de juger les gars, c'est hyper dur à faire. Essayez de le faire, Samuel, tiens, pour voir. Son micro il a à moitié coupé. Ah merde. Non, ouais, mais ça fait tellement des années que j'ai pas vu ça que je sais même pas la voix qui fait en fait. Bah oui, mais moi non plus, j'imite juste ce que vous faites, hein. C'est juste surtout ça que je fais. J'imite Étienne en fait. Pas, si, j'ai des vagues souvenirs, tu vois, je sais que ça ressemble à peu près à ça. Donc mais... imagine imiter un mec qui imite, c'est compliqué déjà. Imiter un mec qui imite. Sachant que si jamais l'imitation est déjà ratée de base. En fait, c'est le téléphone arabe des imitations, tu vois. C'est genre. Je rimite un truc qui est déjà imité par le mec. Et le mec qui imite l'imitation rate encore, donc ça fait un truc. Il manquerait plus qu'il y ait un mec qui imite ce que j'imite derrière. Là, ça n'a plus aucun sens. Bon, attends, faut faire gaffe, c'était peut-être au camp de chasse aussi que ça a full. Alors, est-ce qu'on va à droite ou à gauche déjà direct là? Droite. Ah ouais? Putain, j'aime pas arriver à droite après à Mishkino. Vas-y, bah, allez à gauche, moi je vais à droite. Non, mais on va vas-y. Tous au même endroit. Moi je vais à gauche. Bah, allez à droite. Bah, va à gauche, je vais à droite. Putain, j'aime pas aller à gauche. Non, après c'est bien d'être de chaque côté. Y'a quand même un truc. De toute façon, les gars, ce soir j'ai envie de me faire plier là, j'ai l'impression que. Non, Samuel, non. Ah, mais d'accord, je comprends pourquoi il était nivelé à gauche. Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais, d'accord. Ah, parce qu'il est à 500 mètres en fait de la base. Y'a un mec de mort, y'a un cadavre devant moi. Quoi, le mec? Devant toi? Ouais, cadavre devant moi. 60 mètres. Ouais, t'es dans la forêt toi. Ouais, et bah il est dans la forêt. Il est devant moi. Ah, c'est pas facile avec ma lunette détruite. De bien voir. Je vais en mettre une en bon état pour scope. En bonnet du forme, comme on dit. Ouais, zoom beaucoup moins, putain. S'il y a un mec de mort, ouais. Je sais pas si le mec il est allé à Mishkino après ou quoi. Bah oui. Ouais, bah alors il en revenait et il l'a tué en remontant, imagine. Samuel, t'as visé sur la base, hein? Là, je viens de le prendre. Est-ce que tu vois les zombies marcher dedans? Tu vois des Z marcher dedans? Ouais. Ah ouais, moi je vois des zombies dans la forêt. Ouais, bon bah c'est qu'il est pas dans la base déjà. Ils sont peut-être encore dans le coin, faut faire très gaffe. Hein. On peut aller voir le cadavre. Hein. Je vous attends pour aller voir un peu le cadavre. Tu viens sur le cadavre, Samuel ou quoi? Prends des balles. De derrière. Je suis inconscient, je tire de suppresse. J'ai pas boosté. J'entends rien. Je fais de la suppresse, je sais pas du tout où c'est, c'est au silencieux. Sur moi, y'a un full stop devant moi. Ils sont plusieurs, Sam. C'est la merde. C'est la merde, je dois back. Ah, Etienne. Touché. Inconscient, il n'a. KO. Je suis dans la merde, je suis. Je l'ai tué. Ils sont où? Je sais pas, je l'ai tué, j'ai pas pu ping. Ça met super ping là où y'avait, pour qu'Etienne y sache. Tu l'as fini? Ouais, je l'ai fini. Ok, let's go. Full stop, bien joué. Je suis dans la merde, moi, je suis rouge. Ils étaient plusieurs ou ils étaient tout seuls? Bah, ils étaient peut-être plusieurs. C'est moi ça. J'en ai vu qu'un.
Ils étaient peut-être plusieurs. Bah les tirs, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça venait derrière. Faut que Étienne il fasse gaffe. Je vais retourner vers Samuel pour prendre un visu. Par rapport chez Étienne. Étienne bouge pas trop. Samuel, tu sais où tu l'as mis inconscient l'autre ou pas pour remettre un ping? Ouais, je vois. Remets juste un ping pour qu'on puisse reprendre le visu très vite. Bien joué en tout cas. Mais y'a un autre full stuff qui est mort à côté. Hein. Ouais, mais bon, il était collé à moi ou quoi le type? J'ai pas compris. J'ai l'impression que ça venait derrière, mais c'est chelou, hein. Fais gaffe, hein. C'est peut-être pas lui hein, qui a tiré. Hein. Bon, Sean, tu me suis ou pas? Bien. Y'a des Z qui courent à côté de moi, frère, mais. Ouais, faut faire gaffe. Je suis en train de crever de faim par contre. Je peux te donner à bouffer vite fait, mais. Putain, faut leur l'ouvrir. J'ai cru voir bouger. Où ça? J'ai cru voir courir tout en bas d'Etienne au niveau des rails, à gauche. Tu vois, mais t'as oui, la lumière de gauche. Y a des zombies qui courent à côté aussi, là, je comprends pas. Non, mais c'est. Bon, pour moi, ça peut venir d'en bas à gauche, hein, au niveau des rails. Les tirs, pour moi, ils viennent de là-bas. Viens, suis-moi. On va au premier cadavre. Allez, il est là. Il a quoi? Il a rien du tout, de. Rien de fou. T'as la bouffe, s'il te plaît? Ouais, mais faudra l'ouvrir, putain. T'inquiète, c'est posé. Merci. Niveau sang et tout, ça donne quoi, Etienne? Bah, c'est niveau vie, moi. Après, je suis passé jaune, là. J'étais rouge, je suis passé jaune. Ok, bon, ça va déjà. Mais faut tempo. Faut que je répare mon pare-balles, mais je peux pas. Enfin, je sais pas où t'as tué le mec, là. J'ai mis un ping. Là, t'as mis un bite 2, mais c'est sur le ping numéro 3. Le ping numéro 2, donc j'ai tué le gars. Ah oui, ping numéro 3, c'est un autre corps. Mais gros, ça venait pas de là les tirs pour moi. Mais non, mais moi non plus, ça venait pas de là, c'est pour ça. Il y a un autre mec dans la zone, les gars. Moi, le mec, il faisait un contour en fait. Pour moi, les tirs, ça venait de. Des rails. Ça venait des rails, ouais. Ça venait des rails pour moi, on est d'accord. Et genre, tes pings là, c'est pas possible que le mec me voyait parce que j'étais de l'autre côté justement. Ah ouais, mais y en a un autre. Après, je sais pas si ça a bien ping, hein. Le cadavre, il est peut-être un peu plus bas. Le cadavre par rapport à nous on était avec Sean, c'est impossible. Non mais y'a un autre mec. Je sais pas, moi, il court après Sean moi. Ouais parce que sûrement qu'ils sont dans la même team. Mais. Ou alors il est venu vers les tirs le gars tu vois, j'en sais rien mais. T'as cru voir courir, t'as dit tout à l'heure derrière les rails. Bah ouais mais c'était peut-être un Z, mais j'ai rien vu après. Ça se trouve c'est les Z qu'on. De sapin. Ah mais c'est peut-être les Z qui ont aggro les tirs du mec. Vous étiez où en fait quand vous êtes fait tirer dessus? Bah oui à Etienne. Voilà. Et pour moi ça venait d'en bas de la lisière au niveau des rails. Ah mais c'est pas le mouvement il est c'est pas possible. Pour moi ça venait de là les tirs en gros, dans cette zone là. Pour moi ça venait de là. Parce que moi je courais vers toi Samuel et j'entendais dans mon oreille droite tirer donc Et bah là où t'as ping moi c'est là que j'ai vu courir. Bah ouais non mais s'il y a un mec par là. On contourne Sean. Ouais lui aussi il a peut-être contourné du coup. Faut le trouver hein. En gros c'est Putain il était gras l'autre que t'as tué hein. Ouais. Heureusement que t'étais là pour le finir gros parce que. Moi allongé, je le voyais très très peu. Ah, c'est pour ça quand tu m'as dit il est tombé, j'ai direct repris un pic. Ah les combats de sapins comme ça. Il avait l'air bien gras le gars, puis surtout il avait une arme silencieuse. Ça c'est intéressant comme détail. Après il a contourné gros, il est reparti se replacer en haut. Là où j'étais de base moi. Imagine. On va essayer de prendre un point de vue si on va loot son pote. Ou alors il s'est barré complètement. Hein. Bah viens, on va essayer de voir. Déjà, je vais essayer de te tuer un zombie porte-plaque. Silencieux? Ah. Ah ouais. J'avais arme silencieuse, c'est pire. Hein. Voilà. Arrache tous les zombies, j'en ramène. Ouais, t'inquiète. Moi, je peux pas tirer, les gars. Je suis Ike. Y'a un mec! Où ça? Là-bas, dans la côte en face, dans la descente, gros, vers la fontaine. Je l'ai vu descendre, gros. Il est dans un sapin. Vers la fontaine d'où? Oh, vers la rivière. Tu vas vers lui, là, Sean. Reviens, il est dans un sapin. Faut tuer les Z, putain. Il faut arracher les Z, il est dans un sapin, gros, il a coupé. Ok, on va le baiser. C'est merde, gros. Je vais le baiser, mais je suis au revolver, c'est la merde. J'ai pris la balle, là. Il court à gauche. Ouais. Tu vois pas. Quelqu'un peut ping. Je l'ai tué, il m'a tué. On s'est entretué. Non. Si, on s'est entretué. Ah, fallait pas tirer les Z au... Non, tu l'as battu. Silencieux. Il est KO. Il court. Quoi? Il est où? Putain, je ne le vois pas. Il remonte dans la forêt. Non mais gros, c'est trop haut. Ping, vraiment. Ping. Attends, je peux pas, j'ai des zombies sur nous. Ok, je le vois dans la forêt, là-haut. Là-bas. En gros, il est par là. Les zombies me cassent les couilles, hein, mec, j'en ai trop, hein. Bon, en tout cas, le mec est mal, hein. Bah, il courait très très bien.
Oh, le savana il fait des pipi de chat. Hein. Mais tu l'as vu tomber toi? J'ai cru qu'il était tombé moi. Ok, je le vois, je le vois. Il est là, il est full stuff moi. Il est où, il est où? J'ai ping. Il court, il fait quoi? J'enlève mes pings. Ouais, il marche. Il est avec un gros sac énorme là, Alice, camo. Il marche vers où? Il a une arme silencieuse. Il repartait vers la droite, il remontait vers la droite en gros. J'ai mis une tête, il est inconscient. Il est mort. Bien joué. Il est là. C'était lui ou pas que t'as vu? Bah là il avait Gorka et tout le mec hein. Non mais c'était lui que t'avais vu toi ou pas? Bah moi en fait je l'ai pas très bien vu, j'étais au SK, je peux pas trop m'en rendre compte. Faut y en avoir encore d'autres dans la zone. Moi le mec je vais le reping mais... Il est là en fait, exactement sur mon ping. Bien stuff hein. Ouais lui il est bien stuff ouais. C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir vu lui, mais bon. Enfin, faut aller voir, mais lui, mec, il a du gros stuff, hein. Faut qu'on contourne, Etienne, qu'on aille prendre un visu sur ce corps-là. Putain, il est mort dégagé, le mec, hein. Je pensais qu'il t'a couvert, mais il est vachement dégagé, hein. Bon, Samuel, il va revenir vite, il y aura du stuff. Mais là, je sais pas du coup si c'est lui qui t'a touché ou pas, parce que moi, au moment où t'as dit ça, j'en ai vu un qui courait très bien. Ok, j'ai un mec qui court. Chun, de l'autre côté, là où j'ai ping, il y a un mec qui arrive à la base mini. Gorka, pas de sac. C'est au moins 500 mètres, ça. Ouais, je le vois. C'est lui que j'ai vu courir, je crois. C'est lui que j'ai vu courir. Il va aller sur les stuff là-bas. Il va aller sur les stuff là-bas, faut qu'on fasse un check rapide de ce stuff là, tu viens avec moi, on push. Sur ce corps là en bas ou quoi? Putain mais faut que je le garde en visu, il est là-bas, je crois que je l'ai vu. Ouais il nous a vu je crois, il nous a vu. Non. Il s'est mis en position, attends. Prépare-toi, c'est 500-600 mètres. Mais il faudrait que t'aies un silencieux, mais vu que le gars il a un arme silencieux, ça serait peut-être mieux. 500 mètres, je vais mettre 500. Occupe-toi de lui. Je le vois plus. Putain il a une AR-15 silencieuse le mec. Je vois plus le type. Je vais faire un spot de rocher là-haut, de truc là. Putain, la R15, il l'a en mode sniper, gros. Elle a l'air bien en fait. Hein. Putain, j'espère qu'il fait pas un contour et qu'elle vient pas sur nous. Mais il va peut-être venir vers nous. Ok, mais si je le vois encore, il est toujours là. Il est où? Il. Putain, je peux pas de ping. Il est dans les arbres, dans les bushes de gauche. Bah attends, c'est 500 mètres, j'ai mis un point à 500 mètres. 570. Je vais tenter un shoot. Je sais pas si je l'ai hit. Dis-moi. Je vois plus. Ok, il traverse le cadavre du mec de sommeil. Il a une AK tambour silencieuse. AK tambour silencieuse, il a. Il descend là où j'ai pris les balles. Putain, faut qu'on le baise, lui. Putain, le corps de l'autre, il est blindé, hein. Chargeur d'AK et tout, hein. Mais lui, il a AK silencieuse tambour, hein. Putain. Il est arrivé, là. Je vais me remettre à 200, puisque là, il va arriver par la droite, à mon avis. Putain, faut qu'on fasse gaffe avec ces conneries. Faut qu'on fasse gaffe, le fight est dur. Faut qu'on arrive à foutre les yeux dessus. Là où j'ai mis un ping, Samuel, t'as une arme avec un porte-plaque. Et sur le corps du mec, t'inquiète. Il reste un Gorka et tout, mais je vais pas m'amuser à loot vu qu'il y a le gars dans le coin. Je pense qu'il a dû arriver de notre côté là. Tu penses? Enfin, qu'il a. Il est là où j'ai tiré, à peu près. Je vois pas où il peut être là. Là, il peut être partout, mais t'as raison, il a peut-être fait un gros contour, ça se trouve, et il est parti derrière là où t'as tiré. Il était juste en bas sur la route, là, dans les arbres. Et après il a fait une ligne droite vers les tirs. Après il a descendu la route là. Il est passé juste à côté de là où j'ai pris les balles tout à l'heure. Il y a toujours un corps là-bas, je vois. Ouais, je vois le corps du mec là-bas moi. Ah il a été loot le deuxième. Ah il a été loot parce que ça me l'a tué. Non. Si regarde, il voit le pantalon, il est cul nu. Non, il y avait un corps full stuff qui vient de dépop gros devant moi. C'est qui court à côté? Ça court en bas, ça court. Ah putain, c'est Samuel. Ok, je voyais pas ton ping. Le corps il vient de dépop, gros. Il y avait un full stuff à droite, il vient de dépop avec porte-plaque et tout dessus. Il y en a un autre qui a eu un porte-plaque et tout, je le vois. Il est là. Mais mec, gros, l'autre il a dépop sous mes yeux à droite. Non, mais c'est un délire. C'est possible parce que ça c'est le premier cadavre. Genre là, moi le gars que j'ai tué, il a dépop avant le gars qui était. Non, c'est pas le gars que t'as tué, c'en était un autre. Il y en avait un à droite qui était full stuff que j'avais pas vu. En gros, t'en avais un juste là aussi. Il a du stuff ou pas lui? Un peu, ouais. Sur le ping numéro 2 de Norad, y a le mec que t'as tué, je crois. Ouais, et il est cul nu. Bah ouais. Mais il a du stuff ou pas? Il a de la bouffe, en tout cas. Mais il a été loot, en fait. Du coup, je vais aller voir si j'ai tué le gars, moi, que j'ai tiré. Fais gaffe, hein, de ce côté-là, Samuel. Ah ouais, mais bon. C'est au show, on avance ou... Bah ouais, ils ouais. Ils ont refait les silencieux pétés, par contre, c'est stylé, hein. Ok, il faut faire gaffe, on prend la SCAR, on va pusher, on va faire la route du mec, hein. J'attends un petit peu, j'ai pas envie de recrever, parce que là sinon ça va être dur pour la soirée. Ah oui. Là on fait la route du mec là actuellement.
Putain, ça se trouve, ils vont reloot le corps du mec, hein. Je suis mort où, moi? Au bord des rails, un peu là-bas, à droite. Et celle sur la gauche, là. Contre bas, vers la rivière. Oh, par là où tu vas, en gros, là, là, voilà, voilà, tout droit. Et ça va être sur ta gauche, là, quand tu gardes ce cap-là. Toi, t'es mort dans le coin, ici. Là, je suis mort, là, je suis mort, là. Il reste des trucs ou pas? Il reste mon Savanna. Lui, tu restes le Gorka. T'as été loot? Non, 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 non. Ok, si, merde. Alors, attends, je vais juste... Bon, c'est dommage que tu sois mort, mais bon, tu t'es quand même remis bien, normalement. Du coup, tu l'as pas tué, l'autre? Bah, je pense pas. Je sais plus où j'ai tiré. Je vais retourner sur mon cadavre, voir où j'ai tiré, pour voir, mais... Je suis mort. Non hein? Ouais, à droite, à droite, à droite! À droite de la ulti! Oui, je vois. Bon, je fais un peu n'importe quoi ce soir, quand même. Attends, il fait quoi, il fait quoi? Je sais pas, il revient, attends. Attends, attends, qu'il s'arrête dans le bush, gros. C'est lui que j'ai vu, il a récupéré son sac. Quoi à droite? Je vois plus. Il est en heavy plate, il va vers la droite, il va vers la droite. Ouais, il se lève comme un porc, gros. Je le vois plus, je le il vois remonte, plus. Il remonte, il remonte, il remonte, je l'ai. Tu peux mettre un ping? Non, non, mais il va à droite, il va à droite, il contourne de ouf. Oh non, putain, Sam. Ok, il va à droite, il traverse la rivière, il traverse la rivière. Il est devant moi, il est devant moi, il est devant moi. Touché, mort. Tu l'as eu? Ouais, ouais. J'ai mis une tête, gros, truc de mal là-dedans. C'est lui que j'ai vu, il a récupéré son sac. Hein. Ouais, ouais, il est mort, il est là. Mais dingue de stuff, hein. Porte-plaque et tout. Avec grosse AK. Il a peut-être des vêtements pour nous. Bah, il a pris une tête, hein. J'ai mis un truc, mec, mais terrible, hein. Mais terrible, gros, ce qu'il a pris, hein. Il a une arme, mon gars, je sais pas ce que c'est. Elle est custo et tout, elle est grave stylée. On dirait une SG-553. HK-G36. Il a une G36, gros. Bah, elle est terrible. Il y a une M14 tactical. Oh le bâtard, attends, faut que je le prenne. Oh les gars, le stuff de porc qu'il a. Mais vraiment un truc de malade. Ok, où ça? Derrière, 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 derrière. Niveau chasse, 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 chasse. Comment tu sais? Parce que j'ai entendu la balle. Putain, j'ai lâché. Ouais. J'ai entendu tirer, j'ai entendu, ouais, ouais, tirer, ouais. J'ai entendu tirer. Putain, j'ai laissé pas, j'ai laissé mon arme, j'ai plus d'arme, je les ai laissé tomber. C'est la merde, Etienne. C'est qui? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais what? Ok, oh, je lui ai mis un noscope à lui. Bien joué, il est mort, il est mort. Je crois que c'est lui qui tirait. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Hein. Ah bon? Pour moi, ça venait camp de chasse. Mais non, mais c'est lui. Il était au silencieux, regarde. Mais j'ai entendu une balle. Un mec qui tire au silencieux, mais pas de MK2. Hein. J'ai mis des balles au loin, j'ai mis un conscient au loin derrière un sapin au loin. J'ai mis un conscient, il m'a mis un conscient. Putain, j'ai mis. Un sapin au loin. Ouais, mais je peux pas ping, gros, de l'autre côté de la rivière. Vers camp de chasse, de l'autre côté de la rivière. Ah, derrière la hontée. Mais il est vraiment de l'autre côté de la rivière, pas loin de là où j'ai mis le corps. Putain, faut que je me relève vite. Il était où? En gros, il était là. J'en ai eu un. Il était là. J'en ai eu un, je crois, j'ai eu. C'est mon ping? C'est mon ping? Ouais, ouais, je l'ai eu, je crois. J'ai vu tomber. Normalement. Ok. Il était relevé, hein. Ouais, il est mort, il est allé. Ah bah c'est lui qui a tiré. Bon, on les a eu, je pense, en fait. Putain, j'ai cru que c'était lui parce qu'il avait un silencieux, mais que t'as tué, en fait. C'est pour ça, ça m'a bait. Non, il se relève. Là, je crois qu'il est mort. Toujours au même endroit. Confirmé ou pas? Non, il est mort. Ouais, il est mort. Non. Attends, je vais m'approcher, mais là, il est au sol, en tout cas. Bah ouais, je vois ses jambes et tout. Je l'ai vu, en fait, se rebouger, mais... Ouais, je crois qu'il est allé, Olé, olé. Ouais, là, il est mort. Il a quoi, R700 silencieux et tout? Oh, ça c'est beau ça. Eh là là, AK5C silencieux, poignée. Merci Ninjaro pour le follow. Mec, c'est grave de ouf. Wesh. Oh, c'est quoi le délire là? C'est grave de ouf ce qu'ils ont. Bon mec, c'est blindé de stuff, hein, je pourrais jamais tout prendre. Hein. Le gars, il avait un heavy plate, gros. Faut le prendre, ouais, faut le prendre. Il est intact. Hein. Ouais, là, je l'ai pris. Le seul problème, c'est qu'il a pas de rangement, mais vas-y. Putain, on est stuff comme des gros sacs, mec. T'as pris le heavy? Ah ouais, j'ai plus le heavy. Ah ouais, t'es tanky toi. Regarde l'arme que j'ai, comment elle est fat, mec. Elle est insane, elle est trop belle. Heureusement que j'ai réussi à y mettre une tête. C'est hein. Une poignée à l'avant, c'est un truc custom ou c'est elle est comme ça de base? C'est comme ça de base. Oh, c'est tout. Regarde le tactical. Ah ouais. Tu le vois avec quoi? Ah, tu vois pas la lunette? Non, je vois pas la lunette. Moi non plus, c'est bugué. Je peux pas en mettre. Ah. Mais je pense qu'il y en a une et on la voit pas. Oh la tête que j'ai mis à la winch par contre l'autre, qui est en heavy là. Celle-là, mais calmez ça là. En tout cas les gars, je vous ai permis de tirer, j'espère que ça vous a fait plaisir.
J'ai servi de punching ball pour donner l'info. En vrai, c'est grâce à toi que on les met. Non, mais là, le dernier fight, c'est vraiment grâce à toi pour le vrai. C'est horrible, hein. Mais sans ta mort, là, ça se serait pas passé comme ça du tout. Y a un feu dans une maison à droite. Non. C'est. Et ça vient de restart, hein, donc. Ah ouais, y'a un feu. Oh lolololo. Y'a un mec là devant moi. Mort. Il allait sur le feu, hein. C'est un bambou, c'est un peu, non? Ouais. T'as vu, il a sauté le. Ouais, il a sauté, tu l'as calmé en saut. Ah, ou alors c'est peut-être lui qui venait chercher, je sais pas, des brindilles ou. Oui, soit il allait chercher des brindilles, soit il y a son pote là-bas et. Donc on fait gaffe, quoi. Parle avant. Il sort, il arrive à la porte. Non. Il arrive pas à la porte. Touché. Il est mort. Ok. Il y en a un autre. Il est où? Mort. Bien joué. Putain, le steak il est en train de cuire, merde. Ok les gars, ils nous ont fait de la bouffe à cuire. Oh, ils sont full bouffe. Ils sont full bouffe. Oh, SSG 82 et tout. Il a des cartes, deux cartes T1. Une marmite avec une bouteille de gaz à l'intérieur. Non, ils sont bien. Des chaussures neuves pour moi, tiens. Ouf. What the fuck. Le mec, allez, qui? Bah, le mec dehors, il a full bouffe à faire cuire. T'entends? Ouais, Alexey, y'a un mec. Ouais, y'a Alexey, y'a un mec. Stop. Couvre. Il passe au bush. En face. Oh, t'es passé devant, gros. Je gère. Il est mort. Bien joué. Vite, faut soigner Etienne très vite. Ah, ils sont énervés. Hein. Putain. Ah, j'espère qu'il a pas perdu beaucoup de vie. Ouais, je suis jaune. Ok. T'as de la chance, hein, je t'ai mis une grosse tête. Hein. Ah oui, en effet, tu m'as mis une tête. Oui. Il a des trucs encore sympas. La 308. Weapon King Kit et tout. Ah, ils avaient du stuff, hein. Je sais même pas comment Etienne il est encore parmi nous. Hein. Bah, tu m'as tiré avec quoi? Hein? Tu m'as tiré avec quoi? La K5C là. Ouais, bah, tu m'as mis dans le casque. J'ai lâché une Rafa, hein. Ouais, du coup, j'ai vu que ma cagoule était détruite et mes lunettes sont détruites, donc oui, j'ai bien senti que t'as lâché une rafale. En fait, t'es repassé devant, ça t'a nettoyé. Y'a un sniper! Où ça? Il tire dessus, gros. En face de la fontaine. Oh, je l'ai vu, mec. Mais là, on veut le voir de là? Oui, probablement. Putain, je l'ai vu, mec, j'ai arrêté mon animal. Il nous a tiré dessus, non? Ça a pas claqué? Vas-y, Etienne, faut que t'arrives à me dire où il est, on va l'arracher. Il avait l'air bien, stuff, hein, vraiment. Il avait arme ghillie et tout ça, hein. Silencieux bouteille, je l'ai vu. Putain, je le vois. Attends, pas. Mais il était quasiment sur la route. Il était quasiment sur la route dans les arbres devant nous. Ouais, donc en fait, c'est un peu de la merde là ce que je suis en train de faire. Parce qu'il peut déjà être dans les sapins au-dessus. Je le vois. Il descend. Je crois qu'il m'a vu. Putain, gros, j'allais lui mettre une balle. Il est où? Tu le revois, je suis là-dessus, ouais. Il descend, quoi. Ouais. Ouais, il fait le tour par la droite, comme j'ai dit. Il part à droite, en gros, il était là-bas. C'est lui qui a tiré, là. Non, y'a un autre mec dans une maison. Y'a un autre mec, ils sont deux, maison verte. Y'a un mec, il essaie de me mettre une balle, par la fenêtre. Putain, mais il a vraiment pique. Mais ouais, mais il pique au moment que je dépique. Enfin, vraiment, j'ai des timings de merde. Je lui ai peut-être mis la balle, il est peut-être mort. Là, il descendait vers la maison verte, hein. Ah, mais il est peut-être rentré dans la maison verte, hein. Ça se trouve, c'est lui, hein. Il est rentré dans la maison verte, en fait, hein. Non, lui il était full guidé, moi le gars qui pique c'est pas lui. Il a pas eu le temps en plus, il était déjà à la fenêtre. Impossible. Ah ouais. Moi bon, il allait vers la maison verte le mec en tout cas. Il descendait la route vers la maison verte, c'est même sûr. Bon en tout cas, maintenant que tu dis qu'il y a une base là, 100% de mec guidé il rushait là. Donc s'il est pas de la base, c'est étonnant d'aller par là quand même. Putain, je vois personne dans le truc en tout cas. Putain la fontaine, elle a fallu être fatale pour Etienne. Bah bon ça me va aussi, hein. Ouais. Bon. Bah sinon s'ils sont dans leur base, on va dégager, on a rien pour péter de toute façon. Ouais. Ouais. Let's go. C'est dommage que j'ai pas réussi à y mettre la balle en mouvement. Il y avait du monde en tout cas. Il y avait du monde dans le village. Il y a des arbres qui ont été abattus ici, frère, mais genre beaucoup. Il y a une base dans la zone Indus, mec. Ok, je vois un mec qui va vers la zone Indus. Ok, bah ils ont une base. Un Bambi. Il est où? Il court dans l'eau. Il s'est pris pour. Ah ouais, non, il marche sur l'eau. Ouais, c'est un bon. On va observer. Ok, je vois un autre mec, hein, qui a une arme en main. Regarde.
Il est à gauche, ça me fait peur. Il est en bleu à gauche, regarde. Il est au niveau du restaurant, là-bas à gauche du restaurant, regarde. Il a une arme bleue, ils sont deux stuff avec des armes et tout. Ouais. Ouais, il a une bonne arme l'autre là. Il a une AK5C l'autre. Attends, on va les observer, faut qu'ils passent devant nous, on va les attaquer et tout. OK, il y en a un qui est devant moi là, le stuff là. Attends, ils ont tué un mec, ouais, il y a un bambou qui est mort là-bas. Ouais, je le vois. Ok, putain, merde, il t'en rende le loot, j'avais pas vu. Ah ouais, putain, lui, faut qu'on arrive à le fumer. Hein. On va se mettre au pied de l'arbre, déjà, pour être un peu moins vu. Et puis, si on le revoit venir, le mec, on va shoot, hein. On va shoot fort, hein. Oh là là, faudrait tellement pouvoir les ken, là, eux. Ok, il est ressorti, l'autre, il est à gauche, là-bas, sur les rails. Il se déplace vers la gauche. Ok, il revient vers là où il y avait le corps. Et il se déplace dans les bushs, là. Regarde. Ouais, je le vois. Il y a un espèce de... Oh, ils sont deux, il y a le deuxième qui était au bout là-bas, je l'ai vu aussi, juste devant lui. Faut voir où ils vont, faut qu'ils se loignent loin de la base. Ok, je leur vois, bah non, ils sont derrière les rails. Ouais. Ah non, mais attends, tire. Moi j'ai un silencieux si jamais faut faire un tir. Mais faudrait vraiment qu'il bouge pas, il a l'air d'avoir un petit porte-plaque quand même. Les deux sont là. Les trois même. Les trois? Ouais, ils sont trois. Ils sont quatre même. Ils sont quatre, oui, gros. Ils sont quatre, gros. On va jamais pouvoir rien faire à quatre. Ils vont passer juste devant nous, mec. Terrible. Bouge pas trop. Ils vont nous voir, mec. Surveille le tout premier, voir s'il se retourne pas vers nous. Bah, je le vois plus. Je le vois passer toujours. Il y en a un qui nous regarde vraiment. Hein. Il y en a un, je crois, qui nous a vu. Hein. Le blé en bleu là, derrière. Non! Mort. Il nous avait vu. Gros, il regardait droit sur nous. Un de mort encore, moins deux. On continue. Prends des balles. T'es pas dans des balles d'où? Je sais pas, bah deux. Y'en a un qui est parti à gauche là sur les corps qu'on a fumé là. Il est derrière une voiture, y'en a un. Derrière une voiture? Ça me tire dessus? Ça m'a frôlé. Oh. De leur base. Moi j'en ai tué un moi. J'en ai tué un aussi. Il y avait le mec stuff qui est revenu. Hein. Faut qu'on fasse gaffe, on est à moins 2, il y en a un autre dans la base, ils sont au moins 5. Ah oh, c'est derrière la voiture, t'as raison. Un mort sur la voiture. Ok, bien vu. Je vois pas où il est l'autre qui tire. Il est au niveau des voitures aussi, je crois. Hein. Touché, mort peut-être. Peut-être mort, je l'ai mis une balle derrière un arbre. Ouais, mort derrière la voiture, derrière l'arbre, je sais pas encore. Mort aussi. Oh! C'est qui? C'est moi, je confirmais. Bon là, c'est moins 4, je crois qu'il y en a un dans la base encore. Ouais. J'arrive pas à le voir dans la base. Il doit être à une fenêtre. En fait, j'ai tiré parce que le mec en bleu, il nous regardait les yeux. Oui, de base, mais t'as bien joué. Oh là. Lequel? Non, là il est mort, bien joué. Putain mais gros, attends, je pensais que je l'avais terminé mais... Ouais, j'avoue, tu y as remis une balle. Ouais, là j'en vois 3 de morts. Toi t'en avais tué un où? Le premier, il est mort là, je le vois. Et moi j'en ai tué un par ici là. Fais gaffe au niveau des fenêtres, t'as les fenêtres en face de nous là. Ouais mais j'aimerais bien justement qu'il se monte à ces fenêtres. Moi il est mort là, le mec que j'ai tué là. Oh là là, l'arme qu'il a, une Remington R5. Ok, j'ai vu les portes s'ouvrir. Ouais, vers où? Vers les portes de gauche, tu sais, allez, premier étage. Premier étage, les petites portes qu'on voit. Je sais pas voir où il est rentré du coup, mais il est bien dans sa base. Oh là là, il a des givenés et tout le mec. Ah ouais? Ouais, j'ai pris ses givenés, lui. Il avait des balles ou pas? Ouais, il a des chargeurs et tout pour toi. Tu l'as vu? Non, ça a tapé au ras de lui, ça a tapé juste avant. Je l'avais vu, il est dans sa base, aux fenêtres où j'ai dit, les deux fenêtres de gauche, premier étage. Mais tu sais, les fenêtres carrées là, sur la droite de la porte. Il faut pas qu'il prenne un visu ailleurs, mais. Putain. J'ai retiré, mais ça a tapé trop bas. Ça me fait chier de leur laisser le reste, hein. Putain, ça me casse les couilles. J'ai touché, je crois. Mais ça l'a pas tué, je crois que ça a tapé la fenêtre. Oh, j'ai envoyé 1, 2, 3, 4. Je me suis dit, gros, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, je voyais courir et puis je te voyais, t'étais accroupi. Mais oui, j'essaie de pas bouger pour pas attirer leurs yeux. C'est impossible, le mec qui regarde à droite,
il te voit, il me voit aussi dans un bush, tu vois, c'est impossible. Bah oui, oui, mais je me suis dit, ça se trouve, sans bouger, tu sais, s'il se coupe vite. En fait, j'ai dit, garde un visu sur le premier parce que je voyais plus le premier et j'avais peur qu'il nous ait repéré. Et moi, j'ai regardé les trois autres derrière qui étaient tous ensemble. Et là, il passe derrière une fougère et je vois un des mecs en bleu qui s'arrête et qui tourne la tête vers nous, tu vois. Et qui commence à faire des droite-gauche. Je fais, ok, lui, il a repéré un truc qui lui plaît pas. Du coup, je l'ai fumé direct. Oh, c'est allumé dans la maison verte. Ouais. Oh les coquins. Ouais mais mec, on voit rien. Bah c'est... Putain ça s'éteint et ça s'allume quand je zoome. Ouais ça c'est le bugage, c'est bugué. Ah y'a des sapins tombés là. Tu les entends? Non mais moi je suis trop loin pour les entendre là. Fait quoi, on les campe? Je pense qu'ils attendent juste le lever du jour et... Ils vont ressortir hein. Ok, la vengeance. Ils ont osé nous tirer dessus hier. Ils vont voir. Là, on voit plus de lumière, là. Si, ça a tourné. Oui. Il sort. Oui. Il est sorti. Attends, il fait quoi? Je sais pas. Mec, tu l'as touché? Mort. Il est inconscient. Il est mort, sa base elle est ouverte. Elle est ouverte sa base. Prends la porte en cover, il a refermé. Il y a une flare, ouais, j'ai vu une flare. Attends, je vais juste couvrir si l'autre est bien mort. Oh, il est mort. Il avait pas d'arme, il avait rien. Il sortit avec une lampe à gaz, mec. Oui, je le voyais tenir ça dans la main. Je sais pas ce qu'il branlait, mais... Il est devant la porte, je vois la lumière. Tu fais quoi? Tu poses une mine? Je vois sa lumière, le mec. Il est debout devant moi. Hey man, we are willing to talk. Hey. Hello. You want to talk? Il a pris les voies d'anarchie. Hey, yeah, tell us what you want and you will not get killed. You have good stuff in your base? We got good people on the outside, as well as inside. Okay, nice. Ils ont du monde à l'extérieur. Ils ont du monde à l'extérieur? D'après ce qu'il dit, ouais. What we have doesn't actually matter much. What happens is what happens on the outside. You have person in the outside of the base? Yeah, what we have on the outside. Okay. Plenty of people coming back from a raid. Oh, they will really like you waiting there, so... Yeah. I can imagine. Oh, you don't have to imagine, it's gonna happen soon. You will not have time to imagine. Ça traverse pas, ça! You will just go down to the ground real quick. Yeah, of course. Man, I know you are just two in the base. We see you since a lot of hours. We take the visual of your base and we waiting number. Since a lot of hour and we see only two person, man. See how many people we have. Il a dit qu'ils sont hyper nombreux. You're so wrong, buddy. Yeah. Attends, je vais faire un truc. Je vais commencer à parler. Tu vas tirer sans silencieux et je vais couper ma voix nette. Tu veux que je tire sans silencieux? Ouais, pour faire genre je me suis pris une balle et je meurs, voir s'il sort. We're gonna raid you, man. We're gonna kill you and we're gonna raid all of your base. Putain, il ouvre pas la porte, gros. Putain, non! Je voulais faire gentil, je vais te faire tuer par l'extérieur. Il bouge pas? Non, il bouge pas du tout. Il fait jour ou pas? Oui, il fait jour. Donc ça sert plus à rien, mais j'y vais. Oh fuck, that's your friend shot me! What the fuck, man? Your friend just shot me, man. I lost 0 HP. I'm full life. That's a negative. Nobody shot on you. There must be something else. Our squad is not yet arrived. Okay, he's not your friend. Putain, c'est pas tombé dans le piège. Il y a vraiment ça ce qui arrive. I suggest you run because you're gonna get caught in a crossfire, boy.
Mec, il est hyper... Il a dit d'attendre qu'ils arrivent, que sa squad arrive. Mais je pense qu'il ment en vrai. Hein. Mais il est pas tombé dans le piège, il est pas tombé dans le piège de dire c'est mes potes et tout. Mais ouais, ouais, dans le doute, on s'éloigne. Mais gros, il avait laissé la base ouverte, le gars, mec. J'aurais dû rush direct et rentrer. Mais ouais, ouais, d'après ce qu'il faut retenir, il a une squad qui arrive. Et il est vraiment en mode grosse couille, le mec. Hein. Il est vraiment en mode ouais, ouais, reste autour, t'inquiète pas, il y a ma squad qui arrive. Tu vas finir allongé sur le sol. Il est là, non, non, c'est pas ma squad parce que tu te serais fait wipe et tout. Enfin, tu vois, genre le mec est vraiment. Attends, bah écoute, on va monter dans la forêt là-haut, on va prendre un visu là, 5 minutes. C'est monsieur grosse couille hein, qui vient d'arriver. Hein. C'est monsieur grosse couille. C'est monsieur grosse couille, gros. Hein. C'est, il est là, ouais, reste ici, mes potes arrivent. Mais si, grosse baloche. Si jamais c'est du bluff, le mec, il a une confiance en lui qui est exceptionnelle. Hein. Non, mais je pense pas qu'il ait des mates à l'extérieur. Hein. Des mecs comme ça qui jouent paumé la nuit avec un jardin, gros, ils sont pas 6 hein, là-dedans. Oh, il a allumé un feu. Dans la cheminée? Oui. Putain, il est énervé ce mec-là. Hein. Il en a rien à battre. Non, en fait, vraiment, c'est monsieur grosse couille, gros. Il s'en bat les couilles, mec. Son pote vient de se faire tuer. On est en train de camper sa base. Il a dit à mes potes qui arrivent. Il a juste inventé un scénario et là, il refait sa vie. Il fait cuire des steaks, il fait cuire du potiron. Oui, il est en train de faire sa bouffe, tranquillou, alors que son pote est mort devant la fenêtre, mais. Moi je veux qu'il y ait une suite de ça là, je veux qu'on revoie son pote arriver, j'en sais rien, je veux un truc. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont en plus dans leur base tout le temps donc. Mais je veux qu'on s'occupe d'eux là, je veux que lui on le fasse taire. Non mais mec, monsieur grosse couille là, il va pas me tenir tête comme ça longtemps. Non mais allons-y, allons bougeons de là. Oh monsieur, non mais lui. Mais on peut rien faire. Mais on va le baiser en travers gros, je vais full au M14, il va se prendre. Mais qu'est-ce qu'on. En plus à quel moment on va savoir si on l'a tué ou pas. Bah ça va faire chpoum. Ça va tomber au sol, gros. Un bruit de corps sur froid sur du parquet, mec. Je gâche pas mes balles sur ça. Moi, je le gâche mes balles sur ça. Oh là là. Non, mais c'est pas vrai. Tu vas me dire qu'on va le laisser passer, le mec. Là, on va pas camper la soirée là, mais j'aurais aimé, putain. J'aurais aimé qu'il y ait une possibilité, quelque chose. Forcément, il y a forcément une possibilité. Y'a plus de possibilité. On avait la possibilité quand ils avaient laissé ouvert. Mais là, mec, ils avaient laissé ouvert, j'avais pas vu. Oh non, j'aurais dû rush direct. Mais après, c'est pareil, je vais pas rentrer dans une base, mec, comme ça. Aussi, sans savoir ce qu'il y a dedans. Ok, je le vois, ouais, sa porte. Il est devant la porte. Devant la porte. Ouais, ouais, il est là, il est passé dans les trous. Tu sais que là, s'il ouvre pour venir fermer et que je le foule, c'est terminé pour lui. Hein. Mec, il doit tellement se faire chier. Ouais, je le vois, il est encore devant le feu, là. Ok, il ouvre. Il est mort, tout est ouvert, gros. Tout est ouvert, mec. Encore un. Il est refermé. Non. Si, si. Ils sont bien, Steph. Hein. Il rouvre. Ah, il a refermé. Oh, le bâtard, mec. Ah, ils étaient encore, je sais pas combien dedans. Quitte à ce qu'il perde son stuff. Nice. Allez, monsieur grosse couille, ça dégage. Putain, ils étaient encore deux dedans. Ils étaient encore deux dedans. C'est un truc de fou. Oh là là, l'autre, si j'étais en position, j'aurais pu l'arracher aussi. Il s'est mis devant moi. J'étais pas en train de viser, c'est dommage. Heureusement que tu l'as pas vu, parce que t'as commencé à courir et je l'ai vu arriver. T'entends là-haut, c'est où? C'est dans le village juste derrière. Vas-y, on y va. On change de cible. Allez, on aggro, c'est bon, eux, on a fait notre taf. J'espère de tout cœur que celui que j'ai tué, c'est celui qui parlait, franchement. Ah, oh, c'est dommage hein, qu'il y avait un troisième mec. Hein. Parce que là, leur base, elle était ouverte. Tu vois, en vrai, il y a trop moyen de raid des bases hein, sans rien. En étant un petit peu patient et tout. Ok, arbre coupé ici encore. Non? C'est vrai qu'il y a des bases partout. Hein. Où ça, t'as vraiment? Si, c'est un arbre coupé, ça, devant. Je vois quoi? Là-bas, vers là où on va. Regarde, là tout droit, devant moi. Ok, regarde, il y a une petite grange en tôle, là. Enfin, une petite grange en bois, il y a une porte en tôle. 100% le mec il est là-dedans. Mais ton arbre je vois pas. Et on va juste avancer et analyser. Ah non, c'est peut-être un truc scripté. Non, non. Il est coupé. Il y a même un deuxième là. Il y a un mec mort. Où ça? Là. Ah et puis bien pas trop mal. Ouais, quoique non. Je sais pas en fait. Ah ouais, puis il y a une base dans le bâtiment en brique. Le bâtiment en brique là. Ouais, bâtiment brique rouge là, y'a une base. Ouais, il sort de sa base. Brique rouge? Ouais.
Il va vers où? Il va vers, il va vers le bois. Attends, il va couper des arbres, il va couper des arbres. Pour l'instant, on prend pas de risque. Ouais, je le vois, je le vois. Il est au niveau de la maison qui loot des arbres. Il s'est arrêté? J'ai plus de une tête. Tu le vois toujours ou pas? Non, je le vois plus. Je le vois, il monte, il monte, il monte, il est là. Ouais, ouais, ouais. Attends, faut que j'arrive à le voir, il va couper des trucs. Je le vois plus. Je le vois plus non plus. Je le vois. Il est mort. Ok, bien joué. Ou il est pas mort, non, il est peut-être inconscient. Il est où, il est où? Gros arbre, gros arbre, gros arbre. Va le finir s'il est pas mort. Il est pas mort. Là il est mort. Putain, deux têtes hein, pour le finir. Fais gaffe qu'il n'y en ait pas d'autres qui viennent. Ouais, je regarde. Il a SKS, SKS. Il a de la PU. Il est où? Il est toujours au gros arbre. On se casse, bien joué, bien joué. Ouais gros, c'est pas possible ça. Hein? Les vilains qui coupent la forêt. Ah ouais, non, non, mais c'est pas bien de couper la forêt comme ça. Oh. C'est quoi ces mecs là? Oh, SKS. C'est où? Je sais pas, c'est vers où ça? Oh, c'est, après c'est de retour vers, vers Tcherno. Et là, ça tire à Balota aussi. Putain, ça m'a envie d'y aller, hein. Je sais pas où ça tire là. Je sais pas si c'est la base de tout à l'heure ou pas qui tient. Pas celle des deux mecs, hein, des trois mecs, mais. Ou peut-être bien que si en vrai. La base des trois mecs là? Bah, je sais pas. On va voir, vas-y, on va voir. Mec, gros, c'est quoi leur délire là? Ouais, puis t'as vu, ça tire en double. Ah ouais? Regarde, boum boum. Mais ils tirent sur des zombies là, ils ont aggro une horde. Mec. Attends, y'a un mort là. Ah non, c'est un tas de débris. Oh là là. C'est un tas de débris. Mais gros, mais arrêtez, et tu vas voir quand on va arriver, y'aura plus rien. Ah, ça c'est tout le temps comme ça. Non, c'est du blaze, c'est du blaze. Ou alors il tente de nous aggro, le gars. Il est dans... Ah, ça se trouve, il est dans sa base, il est retranché, il est en train de tirer en l'air pour qu'il y ait du monde qui vienne. Et que, tu sais, s'ils imaginent qu'on les campe. Y'a un monde où c'est ça, hein. Y'a un monde où c'est ils appellent à l'aide en mode ils aggro des gens avec des tirs. Ah ouais, parce que des tirs comme ça, mec, c'est de l'aggro là. Non, non, mais là c'est pas possible, le mec il luche toutes ses balles. Ah, là. Mais oui. Ça, c'est le gars, il est tout seul dans sa base, il est en panique, il croit qu'on est toujours devant, il est en train de tirer en l'air. Non, c'est eux. Putain, mais nous on aggro comme des bambous aussi là. Mais après, on aggro, mais on est pas au centre. Et le mec, attends, son blaze il va être détruit ou non? Oh là là, arrête-toi, je vais péter un câble. Mec, ce gâchis de balles, mais non. Ah, ils sont plusieurs. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Attends, dis-moi pas qu'ils sont en train de se faire raid. Et qu'il y a un mec en train de péter leur porte, genre, en tirant dessus. Arrête, non, c'est vraiment les tirs d'aggro, je pense. Non, mais je vois pas pourquoi ils font des tirs d'aggro, c'est quoi le but? Fais gaffe qu'il y ait pas des mecs placés autour et qui. Ça soit un gros piège. J'ai le scar là, au cas où, je tombe sur un mec. Pourquoi ils tirent plus, gros, maintenant? Non mais. C'est scandaleux gros. Retirez les gars, je sais pas. Ok. Ah si c'est dans la base. Non mais vas-y on se casse. De toute façon c'est comme t'as dit, hein, c'est pour aggro du monde pour que. Ouais bah c'est ça à mon avis. Hein. À mon avis on c'est le. Déloger parce qu'on est encore là. C'est le move inespéré hein. Ils passent sur SKS maintenant, ils sont deux en train de tirer. C'est incroyable qu'on les a à ce point-là détruits mentalement, mec. Bah là, oui, on les a détruits mentalement. Là, gros, c'est. Là, mec, ils sont devenus fous. C'est. Mec, c'est quoi? Mec, ils ont perdu pied, mec, c'est fini. Imagine, t'es là, t'es enfermé dans ta base, tu tires en l'air pendant des heures en espérant que. Il se passe tu ne sais quoi. Regarde, mec, c'est. Non, mais. Ah, ils ont vrillé, mec. Ils ont complètement câblé. Tant mieux. Oh là là, gros, c'est terrible pour eux. Hein. Là, c'est dur, la survie dans Days. Hein. Là, on est dans leur cerveau, là. Là, on est dans leur tête. Regarde, là, ils s'imaginent en fight, là. Ils sont là, ok, je le foule. Ok, mort. On est dans leur tête, là.
Ah ouais, vas-y, on les laisse, ils sont fous de toute façon. Ils ont câblé. Ils ont complètement vrillé, mec, on peut plus rien faire pour eux, là, c'est bon. Ils sont partis, mec.